Harvey has come too. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom, ce nouvel épisode de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Et donc cet épisode va encore une fois se passer dans... dans la Mother Base. Mother Base, pardon. Ah oui, c'est vrai, je peux... morale des troupes, voilà. Oui, peut-être. Morale des troupes. Ok, pourquoi pas. Et donc, on va aller se balader un petit peu dans la Mother Base, qu'on n'a pas tant visité que ça, vu qu'il y a eu juste un... Comment dire, un espèce de tutoriel à la moitié, à la con. Donc on va essayer de se familiariser avec cet endroit qui apparemment est extrêmement important. Work in progress, work in progress. Ok, moi je saute, hein, j'ai plus peur. C'est comme dans Mad Max maintenant, hein, je... Cool, merci. Du coup, je cherche ma douche. Voilà. Je sais qu'il y a la douche normalement quelque part ici. Encore faut-il la trouver, bien entendu. Hein. Parce que je suis quand même assez laid, hein, faut dire ce qui est. Hein. Je suis plein de sang. Et la plupart, c'est le mien, malheureusement. Ah mais non, monte. Ah non, ça va pas être possible ça, oui. Là je peux pas passer. Là je peux passer plus ou moins. Mais c'est un cul-de-sac. Oh, les touches sont pas intuitives par contre. C'est con ce qui t'est arrivé mon pote. Là c'est un cul-de-sac aussi. Ah, y a bien la map quelque part. Parce que moi j'ai... Oui je sais. Il y a une douche là. Je veux y aller. Là il y a je sais pas quoi. Point de livraison. Pourquoi pas. Moi je veux aller à la douche. Je suis moche. Tu comprends ça, je suis moche. Oh putain. Ah. C'est quand même pas ça. Unité de douche temporaire. Ah. Là c'est un peu mieux. Bon. C'est tout ce qu'il y a actuellement sur la Mother... Ah non, je voulais aller voir aussi ça. Alors c'est peut-être très très court, c'est parce que j'ai pas malheureusement envie de me lancer aujourd'hui dans... dans un épisode complet. Pour la simple et bonne raison que j'aimerais, vu la longueur des épisodes, j'aimerais bien m'en faire une série de 2 ou 3 par moment. D'un seul coup. Et ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Donc voilà. Demain, qu'est-ce que j'ai à tourner? Bah écoutez, je pense que ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais avoir joué aujourd'hui au jeu un petit peu. Je vais avoir fait ce que je voulais faire en fait, je pensais pas que ça allait être si court, pour être tout à fait honnête. Je pensais qu'il allait y avoir plus de choses de base, au moins de montrer dans le jeu, vis-à-vis de la Mother Base. Apparemment, ce n'est pas le cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais en faire une session demain, vu que j'ai des petits jeux à tourner demain. Ça devrait aller. Et je vais vous laisser là pour la visite de la Mother Base. Moi, je vais avoir fait ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, parce que je voulais absolument la voir, parce que ça commençait à m'intriguer. Bon, bah attends, je suis un peu déçu. Mais voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à tout de suite pour la suite. Enfin, de ce petit bout de vidéo, du coup. A tout de suite. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de MGS Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Donc chers amis, c'est parti cette fois-ci. Donc je vous dis bonjour, mais en fait vous avez déjà vu le début de l'épisode. J'ai appelé l'hélico arrive. Je pense que c'est avec cet hélico là que je vais pouvoir partir en mission. Voilà, on monte. Hop. Veux-tu accepter de nous faire partir, cher ami? Merci. Donc, je n'ai pas encore choisi de mission dans laquelle je voulais partir. Je n'ai encore rien choisi du tout.
Je sais pas trop comment ça se passe en plus. Je pense qu'on va partir sur la mission numéro 2, hein. De toute façon, on va pas s'embêter avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord, je peux changer de côté. C'est la mer que je voulais voir. Voilà, ferme la porte, merci. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Roulade. D'accord. Attendez plutôt à une carte avec un inventaire ou un truc comme ça. Revenir à la mission. Mother Base, au territorial, achèvement global. Ouais, d'accord, ok. Ok. J'ai obtenu des récompenses. Accepter les récompenses. Je sais même pas ce que c'est cool. D'accord, on a fait la couleur de l'environnement de la base. On a fait de la couleur de la base. Couleur. On va la mettre tout en blanc. En rose. Tout en blanc, c'est pas grave. Ok, c'est cool. C'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le jeu, hein. Recherche et développement, armes et objets. Moi j'aimerais bien avoir le fusil de sniper. Voilà. Demande 40 000, j'ai ce qu'il faut. Développement terminé, s'équiper pour cette sortie, oui. J'aimerais. Est-ce que c'est possible d'améliorer? Fusil de sniper, voilà, je l'ai équipé. Est-ce que ce serait possible d'avoir un silencieux? Ou au moins, bouche de canon normal, silencieux, faible solidité. Est-ce que je dois les endormir ou est-ce que je dois abattre? J'imagine qu'endormir c'est mieux, mais j'ai pas ce qu'il faut. Niveau de l'équipe médicale, 15. Ok, pourquoi pas. Ok, bon, on va partir là-dessus. Gestion des ressources, gestion du personnel, bla 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 bla. Et mission, mission, voilà, liste des missions. La voix du héros. Mouahaha. Déplacement libre, d'accord. Ah, je peux faire du déplacement libre en Afghanistan. Ça peut être intéressant. Parce qu'avec du déplacement libre, je peux peut-être prendre des gens. Bon, enfin bon, je verrai ça. Je vais me renseigner en fait sur les gens utiles. Et je verrai ensuite. Ah, pourtant ça me donne envie. Ok, la voix du héros, on y va. Acceptez cette mission. Je vais prendre par là, je serai plus près d'une route. Ce qui pourrait être pratique. Sélectionnez le choix du coéquipier. D-Horse, aucun. Bon bah je vais prendre le D-Horse. Équipement, bah normal. Sélection de véhicule, aucun. Choix du personnage. Avec ou sans écharpe, d'accord. Renard du désert, ça donne quoi? Ouais, c'est ce que j'avais vu. Hein. Option de tête, aucun, parfait. Sélectionner l'équipement. Ça me semble parfait aussi. Outils. D'accord. Objet. Ok. Arme de soutien. Chargeur, ok. Ok, ok, ok. Parfait. Parfait, parfait. Lancement de la mission. Éliminer le commandant Spetsnaz. À 6h00. Non, dès que possible. On y va, chers amis. Alors. C'est parti. A Hero's Way. Hero's Way. Oh yeah. Hell yeah. Blablabla. Bon. Punished Venom Snake. Your target is a Spetsnaz detachment commander. Ok. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Oh. Boss, make your way to Deshago Calais and eliminate the target. Ce qui est cool, c'est que je peux l'endormir de... Bah non, je peux pas l'endormir. Par contre, je peux tirer de loin. Ah ah. Allez, largage. On y va?
Tu me lâches? Tu me lâches ou pas? Là je vois rien. Il est pas là. Information de la carte mise à jour. On descend. Hop. Oui monsieur. Montez sur moi. Une plante. Croissant d'or. Voilà. C'est pour être. D'accord. Alors, voyons voir. Donc là, je suis en dehors de tout. Là-bas. On va commencer par aller là. Il me faut que j'aille sur le haut de la dune déjà pour commencer. Wow. Sérieusement? Il y a des bestioles? Des Chagokalais. D'accord. Ah, il y avait les ruines là-bas, c'était cool. Alors. Ok. Marrant ça, y'a personne sur la truc de snipe. Extraction arrived at multi base. Allez. Voilà. Parfait. Alors. Oula, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Il va grimper. Sauf que lui, le temps qu'il grimpe. Voilà. Il est mort ou il est assommé? ETO, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, je m'en rappelle, j'ai perdu mes armes. Raté. Touché. T'es qui toi? J'en ai 12. Parfait. Voyons-le alors. Nous faire plus d'hommes. Ça peut être pratique. Bon, est-ce qu'on a des choses pour moi? Des choses là. Réserve de carburant. On utilise directement celui qui ramène à la base. D'accord, ok, cool. Ça me semble logique. Oh là, il y aura pas une plante là par hasard? Si, croissant d'or, génial.
a type of medicinal plant. We can use that to make tranquilizer rounds more potent. Ramène tes fesses. Tu es canasson. Tu es là. Alors, on reprend la route. Oh, c'est con, il y a deux traînées comme s'il y avait un véhicule qui était passé. Oh. Et c'est pas surveillé ça? Hello? Je peux pas faire autre chose que la détruire? C'est naze? Je pensais pouvoir faire autre chose. That's communications equipment used by the outpost CP. It must be how they keep in touch with headquarters. If you destroy it, you might be able to cut off the CP from their HQ. Qu'est-ce que je vais faire alors? Du coup, je vais prendre mon arme avec le silencieux, on vérifie bien qu'il soit actif. Parfait. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Bah, c'est... C'est pas drôle ça. On a vu un là-bas. On va passer sous le truc là. Ok, ça se passe plutôt bien. Ce qui m'écœure, c'est que je pensais que je allais le détruire avec quelques balles, quoi, comme dans n'importe quel film d'action. Apparemment, ce n'est pas le cas. Les passes. Ok. Alors. Is that him? Take a good look at their faces so we can ID the targets. That looks like the target. Non. Non, tu ne m'as pas vu. Putain.
would be a waste to kill him. But putting him to sleep doesn't count as eliminating him. Neither does knocking him out. Ok, je l'ai. On y va, on rush. Hop. En train de me perdre de vue, chers amis, je suis sûr. Alors, est-ce que je peux l'emmener ? Oui. Hop. Cible sécurisée, objectif atteint. Tâche accomplie, 1 sur 5. Quitter la zone, temps passé, d'accord. Où sont les autres... Bon, on va faire là-dessus, on va se baser là-dessus. Puis on se renseignera ensuite. Un Spetsnaz, donc c'est un russe. Intéressant, il pourrait peut-être me parler russe. Bon. Je suis content de l'avoir fait comme ça. Je suis vexé d'avoir pas pu le faire silencieusement. Placement d'armes. Oui, d'accord, oui, je sais. Ah oui, c'est vrai, on a canasson aussi. Canasson. Alors j'ai rien pu faire au final, j'ai pas pu désarmer le truc. Où est-ce que je peux avoir l'hélicoptère du coup? Quitter la zone de danger, d'accord. Allons-y. Voilà. Ah c'est fini? D'accord, ok, j'avais pas compris ce qui se passait. Bon, on en est très très bien sorti, chers amis, je trouve. Hop, nom de code, poussin. Bon bah c'est cool. Rang B, c'est pas trop mal. Parfait. Parfait, parfait, bon bah suite alors. Cool. J'imagine qu'on aura droit à une petite cinématique à la fin. Kojima Predictions. Récompense sur Mother Base 1. D'accord. Ah, on peut améliorer le cheval. M'étonne. Ça, ça peut être cool ça. Ok. On va faire ça de suite. Ah, on peut le personnaliser. On peut pas personnaliser. Oh. A plus. Oh la vache. Talent tireur.
Langue russe. Cool. CDD. Ok, pourquoi pas. Parfait. Parfait, parfait. Visée auto, oui, oui, c'est bien. Hop. Est-ce qu'on aimerait, est-ce qu'on pourrait avoir accès? Ah bon. D'accord. Ok, intéressant. Équipement coéquipier. Tenue de combat. D'accord, intéressant. Il n'y a pas genre gestion du personnel, un truc comme ça. Voilà. Assignation auto. Voilà. Ok. Voilà. Ok, bah on n'est pas trop trop mauvais alors, je pense. Parfait. Cependant, je vois encore deux personnes dans la salle d'attente, ce qui ne m'intéresse pas. D'accord. Est-ce que c'est bon là? Non, il reste dans la salle d'attente. Pourquoi pas. Oui, sauf que je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, du coup, dans la zone. Missions. Est-ce que j'ai le droit de voir les sides missions? Ah oui, ouais, elles sont là. Ok. Extrait l'interprète russe. D'accord. Soldat hautement qualifié. C'est à combien le... Oh, c'est à 2 km. Ouais. Une tempête de sable. D'accord. Tempête de sable. Est-ce que je peux me déplacer genre Ça fait chier, ça se trouve j'aurais dû faire ça depuis le début. Alors. Allons-y en mode aveugle. Hein. Hop. Allez, s'est déplacé un peu plus sur la droite encore par rapport à la route. On évitera quand même de tuer Dior's. Hein. La visibilité s'améliore, ce qui ne m'arrange pas. Non, je veux pas aller au village en fait. Je veux aller à côté du village. Extrayer l'interprète russe, par exemple. On va aller se faire ça. Hop, ils peuvent pas me voir. Ils peuvent pas me voir, ils peuvent pas me voir, c'est parfait. Alors. Mais moi aussi, je peux pas voir grand chose. Par là? Par là. Ah, il y a des bestioles aussi qu'on doit extraire. Qu'en faut-il les voir, hein, j'imagine. Pourquoi pas. Putain, c'était Achaï en fait. Ah c'est cool, je vais pouvoir passer par là.
Et esquiver ça. Et repartir. Hop. Donc oui, on est un peu plus long que d'habitude, chers amis, écoute. Hein. Écoutez. Moi, ça me fait plaisir. J'ai pas trop l'occasion de jouer à ce jeu, en fait. Puis je sais que je ne suis pas forcément... C'est pas mon jeu de prédilection, entre guillemets. Je suis plutôt RPG, on va dire. Donc bon. Jeu d'infiltration, une première. Écoutez. Où j'en suis? D'accord. Alors, je peux pas passer du tout par là où je voulais, sauf si c'est à gauche là. C'est à gauche là. 6h du matin. L'heure à laquelle je me lève. Tout en me couchant en 1h pour le montage. Ça pue! Ce qui m'ennuie d'être sur la route, c'est qu'il peut y avoir un convoi. Mais bon. Allez, hop. Un caillou, mon dieu, un caillou, j'en ai jamais vu de ma vie. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire, canasson? Une voiture. Où ça? Oh! On va l'extraire. Allez, mon pote. Il est génial. C'était le D-Dog, chers amis. Le Diamond Dog, justement. Le Dididi. Le Diamond Dog Dog. Ok, on s'arrête là. Putain, il est bien. Intéressant. Ok. Me repérer au bruit, je présume. Je peux pas me planquer derrière ce mur. Trop génial. Alors, il est dans la maison, le con. Ok, parfait. Salut mon pote. Toi tu rentres à la maison. Tu vas prendre quelques sodas supplémentaires, je pense.
unit arrived at mother base. Ok. Parfait. Alors maintenant, l'autre truc. Il me semble que l'autre truc c'était super loin. Ok, cool. Cool, cool, cool. Bon, cependant les amis, je pense qu'on va se rentrer à la Mother Base. Et on retournera chercher la deuxième mission après. Alors comment je fais pour rentrer? Ben on va se mettre là. Hop. Canasson, tu es là. Ok. On y va. Allez, saute. Bon, c'est pas vraiment ce que j'appelle un saut. Tenue de combat, cool. Alors, nous y sommes. Et je pense qu'on se rendra donc au prochain point. Très prochainement. Le voilà. Tant qu'on ne se fait pas attaquer par le coin là-bas. Bah moi j'y suis, je t'attends. Oh il est beau le fusil. On l'a pas utilisé parce que moi je suis pas... Enfin dans ce jeu je suis plutôt du genre à pas tuer en fait quoi. Sait-on jamais. A voir, on verra bien. C'est le cheval qui dérangeait. Comment il parle mal de D-Horse. Voilà. Bon. Hop, on est bon. Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut rentrer, s'il vous plaît? Ferme la porte. Ferme la porte. Je pars, voilà, merci. Hop, ça c'est fait. Ouais, je sais. Compte sur moi. ASAP, as soon as possible. Bon. Ce jeu est quand même hyper prenant. Hein. Revenir à la mission. Voilà. Mother Base des Diamond Dogs au territorial des Seychelles, plateforme de commandement. Hop là. Oh non, pas une vidéo. Didi, reviens. Ah, il est génial. Ah bah si, une vidéo. Ah, je veux. Ah, j'aime. Ça j'aime, chers amis. Mitch. Here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed though. Oh. Like this. Excellent. J'adore. You know I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. Il me nettoie le visage. Ah, excellent. J'adore. Ça j'adore, chers amis. On aura un vrai Diamond Dog. Excellent. Vous voyez, j'avais raison. Ah la vache, il est borgne. Cool. Le slogan élève un chien. Pourquoi pas. Excellent. Ah j'adore. Nintendogs. Ça y est, c'est le nom de l'épisode. Nintendogs. Ah ça c'est cool. Quoi? Bon, c'était le dit.
Bon, sauvegarde les amis. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.